Salut les amis, c'est là à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Heroes en Général pour le pilote de chasse. Donc... Ah ah, y'a un truc à péter là. Non. Hihi, merde, j'ai oublié de monter ma sensibilité. Oh putain. Voilà, donc le pilote de chasse, là je suis en allemand. Voilà, donc les Allemands ils ont une seule bombe. Ils ont les mitraillettes sur les ailes. Putain, ça me tire dessus, c'est un char ça. Il faut que j'augmente la sensibilité. Ah non, c'est le. Ce n'est pas un char, c'est la DCA. Fils de pute. Bon, on va lui péter sa race. Elle est où? C'est laquelle? C'est celle-là. Alors, ta maman, toi, hein? Pouf! Merde. Trop tôt, je pense. Ah, dommage. Wouhou! Hop là! Hop là, ça va me permettre de monter à sa suite. Voilà, quand on veut faire son malin. Alors, voilà, on va le monter là. Ce qu'ils auraient dû faire, en fait, c'est vraiment monter la sensibilité infanterie et monter la sensibilité, avoir deux sensibilités, en fait. Parce que chaque fois, quand vous repassez infanterie, vous devez repasser fantassin, vous devez repasser la sensibilité plus bas, plus haut, c'est chiant. Au moins, un système à la con. Bon, j'ai mis le boost pour spawner plus vite, c'est nickel. On peut aussi mettre le boost pour recharger plus vite les armes. Ça, je crois que je l'ai pas encore eu. Mais bon, le principe, c'est que les Allemands, eux, ils ont qu'une seule bombe. Les autres factions, une autre faction, je sais plus laquelle, en a 4. Mais c'est nous qui rechargeons plus vite les bombes, en fait. Et forcément, nos bombes me feront plus de dégâts que ceux qui en ont 4. Ok, il lui a défoncé la gueule. Putain. Elle est encore là, cette petite connasse. En fait, le mieux à faire, c'est faire ça, voilà. Boum. Je me demande s'il sort pas en fait dès qu'il me voit. Attendez, on va faire un piqué, on va faire un piqué. Il me semble qu'il sort en fait. Ou alors c'est moi qui sais plus viser. Voilà, on va faire comme ça. Bah je sais pas, c'est bizarre. Il tire plus maintenant. Enfin bon, je ne sais plus, je ne sais pas. Donc en face on a quoi? On a deux chars, ouais, deux chars capture squad, je sais pas ce que c'est. 3 recon parce qu'en plus de ça on peut changer le nom des escouades, donc c'est vraiment le gros bordel. Donc là je joue avec les deuxièmes munitions, vous pouvez monter que les munitions dans le jeu. Vous pouvez pas monter genre le bladage ou des... Putain il a changé de DCA la petite encoulée. Hihi. On va faire le con encore. Hop là. C'est le talent. Avant qu'on se crache. Hop là. Il faut beaucoup monter la sensibilité parce que sinon après c'est chiant. Le gros problème de ce jeu, moi je trouve que c'est les moteurs qui sont vraiment pas puissants. Les moteurs de putain, j'ai... Il a eu. J'ai... Alors c'est comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment piquer, balancer et remonter. Maintenant faut pas être trop bas sinon votre bombe peut vous défoncer la gueule. J'ai eu le coup, j'étais trop bas. Ma bombe m'a défoncé mon avion d'un coup. Je suis pas mort hein. Ah bah t'es... 6. Donc rien ne vous empêche d'aller réparer votre avion, vous avez la clé anglaise, il faut l'acheter, il faut la débloquer. Donc voilà, le 100%, il faut que j'attende qu'elle recharge quand même. Allez vas-y, vas-y, recharge, recharge, recharge. Voilà, c'est bon. Là, une moto. Bouf. Blessé quoi, t'es sérieux? J'ai pas de bol aujourd'hui. J'ai vraiment pas de bol. Donc c'est ma première année, mais ça commence déjà très très mal. Ta maman! Aïe aïe aïe, ça pique. Donc le mieux à faire c'est de rester en bas. Là, à cause justement de son trou. Oh putain, elle peut quand même me tirer dessus, du coup, cette blague. À cause de la profondeur du trou, normalement il est pas censé vous toucher en bas. Donc il faut contrôler. Ok, les fighters ennemis sont arrivés forcément. Donc j'en ai un au cul. A tous les coups, j'en ai un au cul. Il me suit donc. Ouais, j'en ai un cul. Putain, mais fous-moi la paix, fils de pute. Sérieusement. Il devrait prévenir que les fighters arrivent, c'est chiant. Bon, moi je vais me replier. Ah, ça m'énerve, moi ça. C'est vraiment un système à la con, ça. Il n'y avait pas un seul avion. Et forcément, ils arrivent comme ça dans notre dos sans qu'on le sache. Bah c'est un peu réaliste quand même, mais bon c'est quand même ça là.
C'est très très sale, surtout qu'il faut quand même bien jouer au son. Ah, c'était chaud. On va se balader un peu en forêt. La vie ne recherche pas forcément. Hein. Wouhou! Que je vais faire le con. C'est bon ma bombe? Non. En fait, j'attends vraiment que ma bombe. Ah, ouais, là. Mon moteur va péter. C'est pas grave. Je vais vite. Ah, putain. La blague. Voilà, ça c'est une blague qu'il y a sur BF aussi. C'est que dès que vous êtes trop touché, vous touchez à un truc. Normalement, ça devrait être considéré comme un suicide. Bah non, ça est considéré comme un kill. C'est n'importe quoi. Par contre, quand c'est vous, allez vous faire foutre. Hein. Non, quand c'est vous, allez vous faire foutre. Le kill ne compte pas. C'est considéré comme un suicide. Le nombre de mecs que j'ai descendu en avion et qui ont déjà sauté en parachute, ou qui se sont crashés, voilà. Que le kill. Vraiment les trois quarts du temps, le mec, ce qu'il fait, vu que c'est très chaud de le faire exploser l'avion avec le pilote, donc il va fumer, certes, mais bon, le mec, il va même pas flamber en fait. C'est ça le truc. C'est que le truc, il flambe, et le mec de l'avion, il en a rien à foutre. Sérieux, il a toute sa vie. C'est juste contre l'atterri, peut-être qu'il peut avoir des damage par la moitié de sa vie, mais sinon, ça, c'est très, 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 très mal fait. Donc, pour tuer un mec, c'est vraiment très, très chaud. Il faut viser. Ouais, il sort en fait. Il sort. À chaque fois qu'il voit un avion, il sort le mec. Il est futé au moins. Voilà, je coupe le moteur pour écouter. Il doit avoir des avions. Mais je les vois pas depuis tout à l'heure. Non, j'entends rien. C'est le meilleur moyen à couper le moteur pour les écouter. Le moteur ne vaut pas vite, mais au moins, on les entend fort. Bon, ici c'est pas une partie que je vais faire grand chose, je vois aucun char. Ça spot, hein. Ça c'est bien, ça par contre, ça spot, mais je vois rien. Il y a une petite brume là et c'est vraiment la merde. En plus de ça, j'arrive même pas à toucher avec mes bombes, c'est vraiment chiant ça. Mais bon, ce qui est vraiment bien avec le pilote de chasse, c'est que vous pouvez vous parachuter si votre truc est. Maintenant. Le problème avec les Allemands, c'est que la MP34 est vraiment pas faite pour les grandes marques comme ça. Il faut vraiment monter la MP40. C'est ça le gros problème, parce que la MP34, c'est vraiment de la daube, elle fait très peu de dégâts, donc c'est pas génial. Donc au plus vite, monter la MP40, et puis si votre avion est niqué, bah, comme ça vous pouvez aller capturer des points, continuer comme ça d'infanterie. Mais sinon, c'est très très chaud avec l'autre, la MP34. Trop trop chaud. C'est vraiment trop trop chaud. Même bien monter. Tiens, on va lui défoncer sa gueule à celui-là, il va te calcoter. Donc couper le moteur. C'est bon, je l'ai eu. Bah, pas tout à fait en fait. Voilà. C'est maintenant qu'il faut le péter en fait. Donc il a une chose, c'est que vous pouvez le monter. Ah putain, j'étais à pile poil à côté. C'est pas grave, je peux refaire un passage. J'ai le temps. Je vais couper le moteur. Voilà, couper le moteur pour tourner. Il est là. Salut toi. Quoi? Ah, remonte. Ouf, le travail, c'est ça, je l'ai failli toucher. Donc c'est ça le truc aussi, je trouve ça décevant. C'est que dans ce jeu, vous ne one-shottez pas avec l'avion les trucs. J'entends un avion, je sais pas si c'est à nous. Ouais, si c'est à nous. Oh, quoique. Pas sûr. Vous ne matchez pas les infanteries, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas à nous ça. Clairement pas, c'est un ennemi. Une colle au. Ouais, je sais pas. Alors, vous pouvez appuyer sur Shift pour tourner la tête, ça c'est complètement cheaté, je le fais jamais. C'est l'anti-jeu. Clairement, t'es pas censé faire ça, hein. Surtout en pilotant. Tourner à gauche, regarder à gauche, à droite, ok, mais te retourner derrière, non, hein. Ça tu peux faire, ok, je peux comprendre, mais ça, non. Aucune chance, mec. Aucune chance. Bon, mais bon, bah. Putain, elles sont bien lentes. Ah, là, il va plus vite. Oula, ça lag, ça lag, ça lag, ça lag, ça lag, ça lag. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le serveur. Ah, quoique. Non, c'est moi. Ah, putain, il y a ma connexion qui lâche de temps en temps. Pour l'instant, c'est chiant. L'arrêt de pire en vol, parce que ça vous fait des rollbacks et des fois, ça vous descend tout automatiquement. Ça, c'est la merde. Ah, bah, tiens. Je vais ralentir. Excuse-moi mec, je te spawn kill. C'est même pas fait exprès. Putain, bah ouais, avec le lag, vas-y quoi. Donc ces avions-là, je les supporte pas. Ils sont vraiment trop chelous.
Déjà de ils encaissent quand même pas mal. Je l'ai eu. Voilà, 90% d'XP. Vous avez la même chose en tuant les bombardiers ennemis. Pour les paratroopers. Ouais, j'appelle ça des bombardiers, mais en fait c'est l'avion pour les paratroopers. Il y en a un qui me colle au cul. Quoique. Non, non, c'est l'allié, c'est bon. Non, non, c'est bien ça, ouais. Pouf. Donc j'ai deuxième sorte de munitions, j'ai déjà dit, mais bon, je le répète. La troisième, bah j'ai encore le temps. Voilà, je vais aller, mon pote. Allez. Putain, vas-y, tourne, tourne, tourne. Ok, il est là. Ah non, ta mère, pas maintenant le lag. Ta mère. Allez, tourne. Merci. Oh bah il s'est crashé, voilà. Oh putain. Oui, on peut se foncer dedans aussi, faut faire gaffe. Oh, je l'avais pas vu celui-là. C'est en mode camouflage. Ok, il est là. Il est là, faut que je me rabaisse. Pas qu'il me voie, faut pas qu'il me voie, faut quand même. Et bon, il m'a pas vu. Ah, c'est dur avec la souris, elle suit pas. Voilà, c'est bon, allez, je peux bébé. Parfaitement, c'est parfait. Fonce, 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 moteur de tondeuse de ta mère. Non. Ah, souris de merde. Ah, j'étais trop... Elle suit pas. C'est dommage. Allez, je suis presque à fond de la sortie, mais... C'est dommage. J'étais beaucoup trop bas. C'est pas grave. Je me suis quoi? Je me suis pété un avion. 158 points, ça va faire quoi? 1000 d'argent, je crois. Ce sera pas une super partie, mais au moins on aura plus ou moins aidé. Et puis on va gagner. Je vais pas faire autre chose. Hein. Mais bon, j'ai du mal vraiment avec ces avions là. Ils sont vraiment trop chelous. Ils encaissent beaucoup. Clairement, ils encaissent vraiment beaucoup. J'ai failli le suivre. Bon, je vais descendre. Ils ont toujours des chars. Bah oui, ils ont des chars, mais je les vois jamais. Ou alors ils les détruisent avant que... Ah putain, ça lag. Ta mère. Ouais, non, non, je vais plutôt remonter, pas faire le con justement, parce que si je lag, je vais redescendre. Bah voilà, on va gagner. Oh là là, ouh là là, le lag. Ouh, ça fait mal. Bah, je vais mettre 3 pour eux et 1 pour moi. Hein. Ah merde. Voilà. Donc on a gagné combien? Ah non, plus, 2300. Voilà. Et niveau réparation, on est à 2000. Ouais, parce que je me suis beaucoup crashé. Maintenant, c'est pas ça, je crois que c'est les bombes qui coûtent assez cher. C'est pas niveau réparation de l'avion, c'est vraiment les bombes qui coûtent. Ah, tourbe du suite. Ouais, ils m'ont pas aimé, voilà. Donc voilà, monter l'MP40, moi je l'ai bientôt. Maintenant il faut encore que j'économise pour l'avoir, donc voilà l'MP40. Le mieux, bah encore une fois, c'est de jouer confrontation à max pour débloquer l'arme. C'est plus simple, vu que vous jouez, vous tuez, vous tuez, vous tuez. Et c'est comme ça que vous débloquez les armes. Plus vous tuez, plus vous gagnez les armes. En fait, plus vous utilisez l'arme, plus vous montez les armes. Par exemple, ça, on voit beaucoup sur le jeu des mecs qui tirent en l'air, qui tirent dans le vide comme des cons. Parce qu'ils savent pas tuer les mecs, voilà. On en voit pas mal comme ça. Mais par contre, pour te spotter, ça ils sont forts. Hein. Donc tu les vois tirer à terre, ils savent s'ils tirent à terre, juste pour monter leur arme. Pff, c'est n'importe quoi. Ils auraient pas dû faire un système, c'est vraiment faire des kills. Et ça a l'air de marcher en plus, c'est ça le pire. Sauf que ça marche. C'est n'importe quoi, vraiment. Bon, enfin, bon, pilote de chasse, je vais monter ça. Faut que je fasse un fantassin allemand pour monter l'SVT 44, la meilleure arme du jeu, clairement. Hein. Faut pas moi de cheater cette arme. Elle est vraiment très très bonne. Donc voilà, elle est reportée pour spawner 30% plus vite. Donc vous avez les trois là, conducteur, 50% plus rapide, démarrage de véhicule. Ah, quoique, c'est pas là. C'est là, voilà. Gravitaillement, donc pour recharger plus vite les bombes. Gilet pare-balles. Ah tiens, ça j'avais pas vu. Pour vous protéger des balles ennemies. Ah, ah c'est peut-être pour ça que ces bâtards ils encaissent beaucoup. Tiens, je vais quand même. Donc voleur d'avion pour les voler. Aller reporter pour spawner plus vite. Tiens, je vais un petit peu regarder ce qu'il faut.
C'était éliminer les véhicules et soldats ennemis à l'aide de mitrailleuses. Ouais, bah ouais, c'est jouer avec l'avion tout simplement en fait. Vu que ça fait pas longtemps, mais je l'ai pas encore débloqué le premier. Donc, sinon, en même temps, tant que j'y suis. Voilà, donc j'ai testé les mines, les grenades. Alors, c'est. Je vous les déconseille. Clairement, je vous les déconseille. Pourquoi? Parce que ça coûte déjà très très cher. C'est un peu comme une grenade, ça coûte aussi cher qu'une grenade. Je connais pas vraiment les prix, mais c'est cher en tout cas. Et en plus de ça, il faut trop de coups pour péter un char. Même dans les endroits genre les chenilles et le derrière du char, il faut trop de coups. Sur les vidéos, je comprends pas, ils mettent. Je crois que c'est deux grenades. Ouais, un coup de panzer et une grenade, ça l'explose. Moi, ça le fait pas. Clairement, ça le fait pas. Des fois, j'ai essayé avec un panzer, je dois mettre 2-3 grenades même. Alors qu'un Panzer, c'est la même chose, un Panzer Faust, donc celui dans la caisse, ont la même puissance que celle-là. Donc ça veut dire que je dois mettre un coup de Panzer plus 2-3 grenades. 2-3 grenades pour un char, c'est très très cher, c'est trop trop cher pour ce que c'est. Donc moi je vous le déconseille, vous pouvez essayer, hein. Ça se fait, vous allez peut-être mieux vous en sortir. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez les lancer, mais voilà, moi ça m'intéresse pas du tout, j'ai trouvé ça bien pourri. Le mieux encore que j'ai pu tester, c'est l'H3, que j'ai bientôt débloqué et que je vais être content de réutiliser. En allemand. Alors, non, pas en allemand, en russe ou en soviète. Je vais bientôt le revoir, c'est parfait. Mais sinon, jouer avec les mines, c'est toujours le mieux. Vous bloquez les chemins, c'est vraiment le top. Ceux-là, ou alors, moi je préfère ceux-là parce qu'elles sont beaucoup plus discrètes naturellement. Elles sont rondes et elles sont noires. Alors que les autres, on les spot quand même assez vite, je trouve. Ceux-là, vraiment, elles sont vraiment top camouflage. Donc le sniper, je l'ai monté à fond pour finir, pour monter la cadence de tir. Et sérieusement, je trouve qu'il a un petit plus. Clairement, ça coûte 50 000, mais je trouve vraiment que ça change quelque chose. Ça vaut le coup. Maintenant, c'est quand même 50 000 d'un autre, hein. Mais bon, là, 50 000, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Si tu joues bien l'objectif, ça va aller vite. Tu tues. Ça va aller vite. J'ai regardé donc par rapport à l'XP qu'on gagne, le mieux c'est détruire les chars, les drapeaux et les kills dans cet ordre-là. Vu que descendre un char, ça vous donne 40 XP plus le kill plus quelque chose d'autre, je sais plus ce que c'est. L'objectif, ça vous donne 80 plus ou moins en moyenne pour le neutraliser et le capturer, donc 40 D, 48 pour le neutraliser. Et le kill par personne, c'est 5 points, mais ça dépend de la distance. Si vous shootez un mec à, je sais pas, 200 mètres, je crois, vous avez 34 points d'XP blessé, même blessé, 34 points d'XP. Maintenant, il faut vraiment qu'il soit à longue distance, il faut être sur des grandes maps style. Map d'élite là, merde, bataille d'élite, je sais plus comment ça s'appelle, guerre d'élite, et là vous allez vous foutez à longue portée, vous allez voir votre XP va monter, pas possible, vous faites même plus chier à les capturer les points, à les camper et spotter, prenez, passer au pire recode, si vous l'XP pas mal, maintenant ça vaut pas trop le coup, mais bon, recode, vous prenez la fois 8 et c'est parti, vous allez vous mettre à 3 km, vous un bon spot et c'est fini, vous voulez toucher à blader. Blade de distance et vous allez voir, vous allez expert crever. Bon, je suis désolé si je vois, mais c'est mal de ventre aujourd'hui, ça passe pas. Le truc qui passe pas. Donc j'ai débloqué aussi la moto. Donc la moto, je vous la déconseille aussi. Pourquoi? Parce qu'elle se casse très très vite. C'est vraiment la merde. Donc cette map, si le village, par exemple. Donc voilà, je vous la montre. Donc le village. Comment vous expliquer le village? C'est celle où vous avez le petit pont. A et C, donc le petit pont A et C, et B est dans la forêt en fait, juste à côté de votre base. Ben, cette map là, si vous allez sur B comme moi, donc moi le plus souvent quand je commence la partie, c'est que je vais sur ce point-ci, je sais plus, c'est C je crois, ben, ça dépend où on spawn forcément. Hein. Je vais toujours sur le premier point parce que le temps qu'ils viennent les ennemis, ben, t'as le temps de capturer, je crois que je l'ai déjà expliqué. T'as le temps de capturer, donc tu te fais 80 points. Puis je repars défendre B. Voilà, je défends B en posant des bits, justement les bloquant, en bloquant maximum et en défonçant tout ce que je passe. Je suis dans la forêt, donc je suis plus camouflé en tant que sniper. Donc ça passe bien mieux que si je suis à découvert dans les prés et tout. Qui ont les chars et tout. Là c'est plutôt combat de chars, anti-chars. Et puis mes mines, pour aller poser des mines, je peux pas. Je peux pas aller faire ça, c'est trop chaud, c'est trop spot. Je peux rien faire. Donc je couvre B et les autres, bah, ils vont tous sur A. Et les trois quarts du temps, on va dire, on gagne s'il joue vraiment bien. Donc ça passe vraiment bien. Donc je parlais, ouais. Donc
Avec la moto, le problème c'est que en allant de A à B, vous avez la descente. Là, bah, je pète souvent le truc et la réparation des véhicules quand même assez chère. Même le dérapage. En fait, je trouve que la moto dérape comme un peu moins que la Jeep. La Jeep est quand même un peu plus contrôlable. Elle va vite, elle a la moto, mais elle se casse beaucoup trop vite. Clairement, c'est de la merde. Elle se casse beaucoup trop vite. Et la Jeep, pas mal aussi. Vous voyez pas tout le temps les rochers dans les ombres et tout, donc vous pouvez vous les prendre. C'est un dommage, c'est chiant. C'est vraiment galère. Parce que ça vous pompe très, voilà, on compte 1, 2, 3 blessures à la Jeep et argent, 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 ça coûte. Voilà, vous perdez quand même pas mal, surtout si vous n'êtes pas premium. Parce que vous n'avez pas la totalité de votre score, votre argent. Voilà, j'ai passé fan de dynamite pour justement avoir plus de mine. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous montrer? Donc le paratrooper. Le paratrooper, donc j'ai mis voilà, paratrooper avec la magarine complètement pété, donc je suis quasi invincible. Je descends, je défonce. Le mieux paratrooper, je l'ai désectionné, mais c'est. Ah non, je l'ai pas désectionné. C'est cette map-ci, je crois. Attends. Oh, colline. Ouais, c'est la colline, voilà. Donc la colline, c'est vraiment bah, la colline. Vous montez, vous avez B au-dessus, vous avez la montagne par ici. C'est vraiment mieux. Vous descendez sur point B, vous êtes. Avec le relief, donc vous descendez comme ça. Avec le relief, il peut vous voir assez facilement. Voilà, le relief est comme ça. Le plateau, c'est sur B. Vous montez de chaque côté. Le plateau est sur B. Vous descendez assez facilement. Et puis vous capturez, vous bloquez. Vous allez voir, vous allez vous faire de l'XP à bord. En fait, c'est vraiment ça. Je trouve que le paratrooper est nickel pour se faire de l'XP. Mais niveau argent, c'est bof. Sérieux, c'est bof. Maintenant, c'est peut-être aussi parce que je l'ai pas monté. Probablement, c'est ça. Je suis à peine au niveau 5, je crois. Ouais, même pas au niveau 5, voilà, donc ça m'étonne même pas que ce soit ça. Maintenant j'ai vraiment pas saisi encore le système d'argent par heure, donc je pense qu'on gagne plus quand même au fur et à mesure, on gagne plus, mais j'ai pas encore compris leur système, sérieux, c'est un peu chelou. Mais bon, paratrooper en américain, c'est complètement cheaté, surtout que je l'ai même pas monté, mais le truc est complètement pété. La cadence de tir avec ses dégâts complètement craqué, et encore j'ai pas monté pour faire deux dégâts. Deux shoots pour tuer un mec, parce que là c'est toujours deux ou trois shoots. Bah c'est gros patch, sérieux, allez, abusez. Vous êtes quasi invincible avec ça. En paratrooper, vous spawnez avant eux, c'est fini quoi. Vous ramassez 2 tonnes de points. Et je crois que je sais même pas si je peux prendre. On va regarder. Ah si, en plus je peux prendre des mines et tout en plus. Putain, tu vas les poser avant qu'ils arrivent dans la forêt et tu les défonces. Complètement abusé. Alors, pilote de chasse, l'opérateur de char, ça je sais pas. J'ai encore à faire sur les autres classes, donc je vais pas l'acheter maintenant. Je dois acheter l'MP40 et puis j'achèterai aussi la. Ces deux armes que je vais économiser pour. Donc l'MP40 et la. Voilà, la DP28. Donc moi je vous conseille pour aller tester un petit peu les armes. Ouais, pas toutes les armes, malheureusement, dans le didacticiel. Donc le didacticiel qui est là, je vous l'avais déjà montré pour le tuto. Voilà. Allez le faire dans les trois factions, vous pouvez tester les armes intéressantes du jeu. Voilà. Donc par exemple, russe, vous allez pouvoir tester le sniper, celle-là, et je crois que c'est la PPSH, voilà, que vous pouvez tester aussi. Le pistolet vous le fournit de base. Voilà, c'est les armes que vous pouvez tester. En Amérique, vous pouvez tester la M40, vous pouvez tester le sniper. Vous pouvez tester la Thompson. Et voilà, c'est tout. Et vous avez forcément le 19 Force. Le 19 Force, c'est un très 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 bon pistolet. Il tire super loin, il fait très très mal. Et puis viser des têtes là-dessus, c'est complètement cheaté. Je dis reporter parce que vous faisiez que des têtes. Mais en fait, c'est le pistolet qui est osef. Par rapport au Makarov de Russe, c'est de la qualité ce truc-là. C'est complètement cheaté. Mais écoutez les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, ce sera probablement de base sur Lucius, on va continuer. Voilà, on n'a pas fait de vidéo dessus depuis un petit moment, et puis c'est marrant. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un like, à laisser des commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas. À vous abonner à la chaîne si vous plaît, je vous dis à demain sans foot pour une nouvelle vidéo.